m'aligner et élever ma vibration. Je m'installe confortablement, de préférence en position assise, les pieds bien au sol, le bassin enfoncé dans le fauteuil. Et la colonne vertébrale totalement centrée et étirée vers le ciel. Je relâche mes épaules. Je laisse mes omoplates se regarder tranquillement vers l'arrière pour ouvrir ma poitrine. Laissez mon diaphragme tranquillement se détendre et pouvoir œuvrer et me laisser respirer dans mon ventre. Je détends ma nuque et place ma tête de façon à ce qu'elle soit légère et totalement comme emboîtée sur ma colonne. Mon menton rentre légèrement vers ma gorge. Je sens sa juste place pour sentir l'étirement de mes cervicales. Et le prolongement de ma colonne, du sacrum, dans mes lombaires, mes dorsales, mes cervicales, jusqu'au sommet de ma tête. Je peux choisir de fermer les yeux pour entrer encore plus à l'intérieur de moi-même. Et laisser tranquillement ma respiration s'apaiser et se poser à l'inspiration dans mon ventre. Et à l'expiration, visualiser que toutes les tensions, les pensées négatives, les préoccupations du moment s'en vont dans la terre. Et tout simplement, il me suffit d'avoir l'intention de ramener le calme en moi et de centrer toute mon attention sur ma respiration qui rentre et me remplit de vie et d'allonger le temps des expirations en laissant partir vers la terre tout ce qui doit partir pour m'alléger. J'inspire la vie à mon rythme en étant conscient, consciente des sensations dans mon corps quand je me remplis de vivant, quand je choisis d'être présent à moi-même. Et j'expire dans l'intention d'activer mon guérisseur intérieur et de m'engager à laisser partir tout ce qui m'encombre, tout ce qui me pèse vers la terre qui saura transmuter cela. Et je continue d'inspirer ce vivant et de sentir ce vivant rentrer dans chacune de mes cellules. Je peux même peut-être faire une petite pause pour
pour sentir que tout est là en moi et me remercier d'avoir toute cette magie activée à l'intérieur de moi. Et j'expire encore plus profondément pour me purifier, pour faire de l'espace à plus de joie, plus de vie, plus de paix en moi. Et je continue tout simplement à suivre le flux de ma respiration consciente. La vie est de plus en plus présente dès que j'inspire et peut-être que je sens des picotements, de l'ouverture, des sensations dans le corps. Et puis j'expire encore plus, plus qu'il me soit possible pour désencombrer, faire de l'espace. Et à la respiration suivante, l'inspire a plus de place pour venir s'engouffrer en moi et se diffuser dans toutes les cellules, tous les organes, tous les systèmes de mon corps pour apporter la santé, l'équilibre et la vie dans tout mon être. Et j'expire et je continue de lâcher ce qui doit être lâché. Et alors qu'une part de moi va continuer d'inspirer en conscience la vie et de m'en remplir totalement, et continuer d'expirer en profondeur pour me relâcher totalement. J'active une autre partie de moi, mon moi supérieur, cette partie de moi qui sait, qui me guide, qui me donne le meilleur. Elle détient tous mes talents, tous mes potentiels, toutes mes ressources. Et tout simplement, je lui demande de m'aider. À l'intérieur de moi-même, dans mon cœur, je demande à cette part de moi, mon moi supérieur, mon âme, mon cœur, je peux l'appeler avec le mot qui me convient le mieux. Et je prononce à l'intérieur ces phrases que je me répète dans mon cœur. Mon moi supérieur, mon âme, je demande d'être guidée, d'être accompagnée vers la meilleure version de moi-même. J'accepte ton aide et te suis reconnaissant et empli de gratitude pour tous les bienfaits que tu m'apportes. Je demande que soit activé mon guérisseur intérieur, cette part de moi que rien ni personne n'a pu me voler, quelle que soit l'histoire de ma vie. Et tout
tout simplement en restant présent à cette respiration qui rentre, qui grandit, qui élève, qui souffle le vivant. Et les expirations qui soulagent, détendent, relâchent chaque parcelle du corps. Simplement en étant attentif et attentive à cela, je laisse faire ce quelque chose de plus grand que moi qui œuvre à mon équilibre physique, émotionnel, psychique, et qui tranquillement guérit mon cœur et l'ouvre davantage et me connecte à une conscience plus grande, plus large, plus émerveillée de la vie. Et tout simplement déjà, je peux ressentir dans mon corps que ma vibration change. Tout est information et vibration. Et je suis aux trois quarts constitué d'eau. Et lorsque je suis présent à moi-même, lorsque je me donne cette bienveillance, cette écoute, cette présence, j'harmonise et j'équilibre tous mes systèmes et la vibration de mon corps s'élève. Peut-être que je me sens déjà plus apaisée, plus détendue, plus présent. Si des pensées vont et viennent, c'est normal. Je les regarde s'en aller dans le ciel. Elles s'en vont au loin sans que j'aie besoin de les suivre. Je les laisse s'envoler. Et tout simplement, je reviens à ressentir dans mon corps et à me remplir de vie à l'inspire, à me libérer, faire de l'espace à l'expire, et au niveau de mon cœur, à laisser faire ce quelque chose de plus grand à qui je peux demander encore, mon moi supérieur, veille à ma santé globale, équilibre tous mes systèmes, aide mon corps à se détoxifier, se libérer de tout ce qui le ralentit ou le fait souffrir. Remplis-moi d'énergie, de vie, d'ondes positives qui nourrissent chacune de mes cellules, guérit ce qui doit être guéri, met de la vie dans toutes les particules de mon corps et peut même agir au niveau de mon ADN, afin que je recouvre la santé la plus parfaite, car j'ai besoin de ma santé physique, émotionnelle, psychique et spirituelle pour évoluer dans ma vie. Et je prends conscience que la spiritualité, c'est simplement ça. Se reconnecter à ce quelque chose de plus grand en soi,
développer la confiance sur ce grand quelque chose qui existe en soi et qui détient tellement de ressources. Porte tellement de sagesse, qui emplit de joie et qui nous nourrit d'amour. Et j'observe comme il est agréable de prendre ce temps pour soi et de se sentir ouvert à ces quatre dimensions, de poser une intention claire de guérison, de bien-être, de paix, d'amour, de joie. Et de tout simplement être ouvert à toute cette magie qui s'active lorsque l'on prend le temps de s'arrêter et de s'offrir cette bienveillance et cette écoute profonde. Alors le mental s'apaise et c'est le cœur qui prend le relais. Au cœur de notre cœur, dans un écrin, se love notre moi supérieur, notre âme. Cette partie la plus sage et la plus évoluée de nous-mêmes, qui n'attend que notre demande pour nous aider. Elle nous laisse choisir et respecte notre libre arbitre. C'est pourquoi il est important de lui demander. Déjà, deux demandes bien claires sont posées et sont à l'œuvre. Et dans cet espace de retour à soi, je t'invite maintenant au plus profond de ton cœur à appeler ton moi supérieur et à poser ta propre demande du cœur, celle dont tu as besoin maintenant. Peut-être souhaites-tu demander un apaisement émotionnel, car en ce moment tu traverses une tourmente. Peut-être souhaites-tu la clarté, une intuition plus développée pour pouvoir poser un choix dans ta vie. Peut-être as-tu une partie de ton corps qui n'est pas au mieux de sa forme et que tu as envie de demander la santé et la guérison. Peut-être que tu sens un blocage, des jugements, des peurs et que tu as simplement envie là de les nommer, de les identifier et de demander à cette partie de toi, sage, de t'aider à les dissoudre. Avec la pratique, tu vas apprendre de plus en plus à écouter tes besoins du moment et à instaurer ce dialogue intime et profond en toi. Simplement, ton intention doit être clair. Choisis des phrases courtes et toujours positives. Ton inconscient
n'entend que les phrases positives. Il ne connaît pas la négation. Alors, il est important de bien choisir ses mots. Par exemple, demande-lui d'être en santé. Demande-lui d'être plus léger, plus intuitif, plus vibrant, plus en paix. En termes positifs, comme je te le suggère là maintenant, plutôt que lui demander d'éviter un problème et de nommer le problème, cela fixerait encore plus ce que tu ne veux pas dans ta vie. Apprends à demander ce que tu veux clairement, positivement et avec tout ton cœur. Et là, simplement inspire dans ton cœur, expire de ton cœur. Inspire dans ton cœur. À nouveau, expire de ton cœur et tu sens peut-être déjà se dessiner ton besoin. Inspire de ton cœur une troisième fois. Et à l'expire, demande à ton cœur, à ton âme, à ton moi supérieur de quoi il a le plus besoin maintenant. Et laisse venir ce qui vient, même si ce n'est pas l'idée première que tu avais tout à l'heure. Accueille ce qui est là. Et je t'invite dans un dialogue intime intérieur profond, posé dans ton cœur, au cœur du cœur de ton cœur, de te parler à l'intérieur et de poser ton intention du moment, celle que tu demandes à ton moi supérieur de prendre soin. Ressens comment les mots résonnent. Peut-être tu as besoin de modifier l'intention, d'alléger ta phrase, de modifier quelques mots pour que vraiment au moment où tu te les dis à l'intérieur, ce soient les mots les plus vibrants, les plus parfaits qui déjà détiennent dans leur vibration la clé de ta guérison. Je t'invite à te le redire encore une deuxième fois, encore plus profondément au cœur du cœur de ton cœur. Tu observes les effets. Peut-être des images, des informations, des sensations. Et si rien n'est là, c'est parfait aussi. De toute façon, quelque chose agit en profondeur. Et avec la pratique, tu percevras cela de plus en plus intensément. Fais confiance à ce quelque chose qui œuvre sans toi. Et
en ajustant encore si besoin, ou en reprenant les phrases vibrantes, une troisième fois, repose ta demande, ton besoin, à ton moi supérieur, au cœur du cœur de ton cœur. Et observe. Tu viens d'activer des clés de guérison précieuses, celles de savoir s'arrêter pour prendre un temps avec soi. C'est courageux dans le monde dans lequel nous vivons. D'oser s'arrêter, n'est-ce pas? Et c'est un acte d'amour envers toi. Tu as activé tes quatre dimensions. Ta dimension physique en étant à l'écoute de ton corps et en laissant la respiration te remplir de vie et l'alléger. Ta dimension émotionnelle en accueillant ce qui est là et en faisant de l'espace à plus de paix, plus de vie, plus de présence. Ta dimension psychique en laissant ton mental vagabonder au loin et en te connectant à ton moi supérieur, à ton âme. À la partie de qui tu es vraiment. Et à ta dimension spirituelle, tout simplement, en te connectant dans le cœur, car la spiritualité, c'est tout simplement ouvrir sa conscience et son cœur et se laisser traverser par quelque chose de plus grand. Tu as appris à poser des intentions et à faire une demande claire à ton guide intérieur, ce moi supérieur capable d'activer tous tes potentiels. Et pour qu'il puisse se mettre en chemin, il a besoin de ta demande. Il est parfois difficile de demander dans la vie. Et déjà, tu te guéris en apprenant à te demander, à demander à quelque chose en toi qui peut t'aider. Et en pratiquant ce temps avec toi, d'alignement et d'élévation vibratoire, tu vas de plus en plus apprendre à dialoguer avec cette partie supérieure de toi. Et à écouter au fond de ton cœur ses besoins. Les besoins de la partie de toi qui sait exactement pourquoi tu es là et ce que tu es venu libérer et qui n'attend qu'à t'aider. Et tes intentions vont être de plus en plus claires et positives. Et tu vas œuvrer de plus en plus à assouvir tes besoins en toute autonomie. Car tout est à l'intérieur de toi. Peut-être que tu sens cette élévation vibratoire par du mouvement dans ton corps, des picotements dans tes mains, de la chaleur, des frissons. Observe ce qui est en train de se manifester. Tu apprendras aussi de plus en plus
à être à l'écoute.